Kolo Apambula Binobanso. C'est une joie que de nous retrouver encore pour écouter sa parole, pour passer des moments dans sa présence. Nous venons charger, nous venons fatiguer. Certains sont troublés, Bamoko batungisami, tourmentés, batungisami, faibles, bolembu, qui pécheurs, epaimoko mosumuki, qui se sentant perdus, mosusu abioke tabungi. Mais à la table du Seigneur, il y a tout ce dont nous avons besoin. Kasina mesa nankolo. Et c'est une table richement servie. Et en ce temps de la fin, chaque fois qu'un service est fait, un service, c'est-à-dire que la nourriture est servie, c'est un repas complet. Ceux qui manquent de protéines peuvent en avoir. Ceux qui manquent de vitamines en auront. Ceux qui manquent d'oligo-éléments en trouveront. C'est vraiment un repas insuffisant. Par la prédication, nous sommes rentrés à l'époque où par une seule prédication, des milliers d'âmes étaient plongées dans le royaume des cieux. Pierre n'a pas eu besoin de prêcher pendant 2 heures. Il n'a pas eu besoin de répéter des prédications à longueur de journée. Une prédication était suffisante. Croyez-vous cela? Aujourd'hui, en ce temps de la fin, une prédication message est suffisante pour que l'âme change, que l'homme naisse de nouveau, que l'homme soit baptisé du Saint-Esprit, que l'homme obtienne de Dieu ce qu'il désire, mais qu'il le fasse sans douter, étant certain que celui auprès duquel il s'est approché est un Dieu véritable. Amen. Amen. Ailleurs, il est dit qu'il est un Dieu vrai. Nous chanterons d'abord un cantique. Ni fana ni yamu. Page 50. Oh, now we're so.
fois que le Seigneur vous bénisse. Lisusu mbala yo kotike tenkola pamola bino. Nous voulons vous remercier pour, ce, pour tout ce que vous avez fait pour la famille Oudiadia. Vous savez, dans les Corinthiens, il est dit au chapitre 2 Corinthiens, à partir du chapitre 8, il y avait une famine terrible dans le pays. Et les Corinthiens étaient un peuple extrêmement pauvre. Et je veux dire dans les églises de Macédoine plutôt. Alors Paul leur dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Ngolu na nzambe oyo emimonisi polele kati na eklesia Makedonia. À travers la grande épreuve de leur affliction, nanzela na mumekano munene ya mpasi na bango. Ce que vous suivez attentivement. Odali kolanda na bokebi. Ici, Paul veut faire connaître. Awa Paulo alingi koyebisa aux Corinthiens comment la grâce de Dieu est parmi les Macédoniens. Elle n'était pas là en parole. Elle était en parole et en acte. Parce que la grâce agit. Elle est agissante. Comme la foi. Alors il dit, au verset 2, à travers la grande épreuve de leur affliction. Si nous lisons ceci, du moins pour le moment, le passage sur lequel je m'arrête, c'est parce que d'une manière particulière, je n'ai rien contre nos frères qui viennent de l'intérieur. Mais ils font exactement, dans une plus grande proportion, ce que vous, vous êtes ici, Kinshasa, les Africains sont des gens qui passent leur temps à se plaindre, à maugréer, à parler dans leur dents. Ils sont mécontents d'une chose, ils maugréent. Ils ont murmuré et maugré, c'est différent. Et ils aiment bien murmurer. Ça, c'est le propre de l'Africain. Et l'Africain aime bien qu'on ait pitié de lui. Bien aimé, quand on a pitié de moi, ça me rend malade. Bandinga, mais quand on me dit que je suis malade, ça me rend malade. Un chrétien trouve plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mon Christ a joué mingi na. Il trouve plus de bonheur, il se réjouit plus. Lisons ça dans Acte 20. Acte 20. Paul s'adressant à ses amis. Paul est kolobela baninga na ye. Il dit au verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles.
Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Chose étrange, à cause de nos habitudes africaines et familières, nous avons toujours plus de plaisir à recevoir qu'à donner. Cependant, le véritable chrétien, il prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Si peu a-t-il, mais il prend plaisir à donner. Parce qu'il a fait une expérience. Le Dieu des cieux est descendu pour donner sa vie. Alors il comprend qu'il n'y a rien de meilleur qu'à donner. Alléluia. Et il ajoute même dans le livre de Jean, l'ami donne sa vie pour ceux qu'il aime. Il y a un plaisir à donner. Mais quand je me retrouve dans une situation où les gens ont pitié de moi, je me sens mal à l'aise. J'aimerais bien pouvoir être dans la situation de pouvoir donner. Mais l'Africain prend plaisir à ce qu'on ait pitié de lui. Oh, il a toujours l'air abattu. Et quand il vient vers toi, ça va faire un frère. J'ai des problèmes. Et quand tu es abattu comme lui, et tu commences à faire oh, mais c'est terrible. A dit voilà un bon frère. Il sait écouter. Mais quand il tombe sur quelqu'un comme moi, qui écoute et puis qui sourit, il dit mais c'est un petit problème. Mais frère Philemon, quand on lui confie nos problèmes, il rit toujours. Mais la Bible dit que les légères afflictions, comment les trouvez-vous si grands? Bien-aimé, on doit être débarrassé de cet esprit africain qui consiste à se plaindre constamment de son état, qui veut toujours qu'on t'aide à gauche et à droite. Quand tu n'as pas de maison, tu pleures. Quand tu n'as pas de maison, tu pleures. Cependant, l'Écriture dit, si j'ai le manger et le vêtir, cela me suffit. Oh, j'ai pas entendu. Ah, n'ayo quitté. Quand j'ai le manger et le vêtir, cela me suffit. Là, je crois avoir entendu quelque chose. Ah, frère, j'ai pas de maison. Et qu'il trouve une maison, un abri, à une chambre. Ah, frère, ma maison, c'est une petite chambre. Ils ne sont jamais satisfaits. Donne-lui une grande concession. Il te dira, j'ai pas assez d'argent pour employer des sentinelles qui pourront me balayer tout ça. L'Africain passe son temps à se plaindre. Pas le chrétien. Que le Seigneur nous apprenne à être débarrassés de cet esprit. Et il y a des hommes qui ont un esprit
Quelle que soit la situation, ils aiment toujours se sentir victimes. Même quand il est coupable, non, il est victime. Quand vous lui présentez la situation, mes frères, quand il avait l'esprit africain. Chaque race a un esprit. Et colonion, c'était la moulimo na yango. Mais l'esprit africain, il est propre à nous. Propre à nous. Les ali yango, les ali yabiso. Alors au verset 2 nous étions Molongo na mibale sika tozaka, à travers la grande épreuve de leur affliction. Na kati na momekalo monene ya mpasi na bango. Avez-vous entendu? Oyoki yango. Leur joie débordante. Esengo na bango o ezali kofuluka. Leur joie était débordante. Esengo na bango etonda ke furukaki. Au milieu de la grande épreuve de leur affliction. Ça, c'était les Macédoniens. Voyez un homme plein d'épreuves. Nous en avons un parmi nous comme ça. C'est le frère Bajika. Il est âgé. Il a presque 70 ans si je ne me trompe pas. Il a été renversé. Plus de 8 fractures. On entre dans la salle. Avec toutes ces douleurs, il sourit. Il commence à nous exhorter. Il dit, frère, j'ai vu la main de Dieu. Il dit, oh, Macédonien. Je suis ressenti heureux. J'ai dit, oh Seigneur, au moins nous n'avons pas travaillé en vain. Il y en a qui savent dans la douleur être débordant de joie. Alors dans son état, il parle d'un autre frère qui lui est en bonne santé, a du travail, a une maison, et celui avec sa femme et ses enfants. Alors que lui est séparé de sa femme depuis la guerre, il est ici sans travail, renversé avec plus de 8 fractures, à l'hôpital, ne sachant comment payer. Il dit, allez visiter le frère. Il est dans un état lamentable. J'ai peur qu'il ne se gare. Mais lui, la joie débordante. Chaque fois que je vais lui rendre visite à l'hôpital, dans tous ses problèmes, je dis, frère, mais il n'y a pas de problème. Frère Bajika reste couché. Il me dit, non, il faut que je m'assoie. Les hommes de Dieu sont venus me voir. Mais on va main vide. On n'a même pas aidé à payer. Même pas un franc pour son hôpital. Alors les Macédoniens, dans leur grande épreuve et leur affliction, leur joie était débordante. Et dans leur pauvreté profonde, vous n'êtes pas pauvre. Vous plaignez toujours. Bon, où il est là quand on dit. Mais où est le pauvre ici que je le vois? Mon bola d'aliwa pia on a mon aïe. Ça fait pas ce que c'est de la pauvreté. Vous évitez le que ma bengi comme mon bola. Mon bola. Parce que ceux qui l'expérimentent et qui ont fait une expérience avec Dieu, ils savent que j'ai vu
Les années passées, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu mon juste abandonné. Et Paul demande aux Corinthiens, mais ne voyez-vous pas que parmi vous, il y a beaucoup de pauvres? Parce que Dieu a appelé les pauvres pour qu'ils soient riches dans la foi. Aimez les riches là. Pauvres dans la foi. Mais Dieu dans son amour, il fait des exceptions. Il prend des riches comme Salomon. Et il les rend riches dans la foi. Et il y a des pauvres qui reste pauvre dans la foi. Alors ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas parmi vous, il n'y a pas beaucoup de riches. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Et dans leur pauvreté profonde, on produit avec abondance. De riches libéralités de leur part. Makabo mingi ko uta na bango. Ils ont, je l'atteste, Bajali nazali kota tola yango, donné volontairement selon leurs moyens. Ba pesi na motema na ngo mobimba engebele lolenge bazali kozuela. Et même au-delà de leurs moyens. Mais kutu ko le kalolenge bango bazali nango. Amen. Alléluia. Amen. Voilà leurs moyens. Mais ils ont donné au-delà de leurs moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont entrés dans leur nécessaire. Ce dont ils ont besoin pour vivre. Là, ne parlons même plus de vivre, il s'agit de survivre. Parce qu'ils ne mangeaient plus qu'une fois par jour. Ils sont entrés dans cela et ils ont donné avec une joie débordante. Pas en disant, comme je donne comme ça, le Seigneur va me rendre. Non, c'était la joie qui consiste, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous entendez? Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances. La grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Paul les a regardés. Paul a talaki bango. Paul a vu leur pauvreté. Paul a moni bobola na bango. Et Paul leur a dit, Paul a ebisaki bango, bon, vous ne participez pas. Vous pouvez laisser tomber. Bino boko ekotika. Ils ont commencé à supplier Paul. Babani ko bondela Paul. Non, Paul. Hey, Paulo. Laisse-nous participer si aussi. Non, vous êtes trop pauvres. Ne bobola koleka. Ne participez pas à l'œuvre de Dieu. Ne participez pas au voyage missionnaire. Ne participez pas à la distribution. Vous êtes trop pauvres. Laissez ça aux riches. Non, Paul, s'il te plaît. Dans le nom du Seigneur. Si tu nous aimes, laisse-nous exprimer ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Amen. Et Paul a dit, bon, donnez. Paul a lobby, bon, pour. Et quand ils ont donné, Paul a été étonné. Paul a kamwaki. De riche libéralité. Mingi. Quelle quantité? Motulie boni. Venant de la main des pauvres. Et non seulement, ils ont contribué. Comme nous l'espérions, verset 5. Mais regardez pourquoi tout cela s'est passé. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Amen. Vous avez vu? Amen. Comme ils s'étaient d'abord donnés au Seigneur.
Ensuite, ils se sont donnés à nous. Par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on doit participer à l'œuvre divine. Participer à l'œuvre divine, c'est même avec un franc. Et peut-être qu'il ne manque un franc. Peut-être qu'il ne manque qu'un franc. Ah, mais si je donne un franc, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va faire quelque chose. Vous croyez que pour participer à l'œuvre de Dieu, il faut beaucoup? Alors quand on veut participer à l'œuvre de Dieu, on regarde ceux qui ont des voitures. On regarde ceux qui sont bien habillés, qui sont... Laissez ces choses aux dénominationnelles. Nous sommes ici dans le royaume de Dieu. Mais hormis cet enseignement que je voulais vous donner, cette petite instruction et correction que je voulais vous donner, parce que c'est quelque chose qui vous manque, vous ne contribuez pas à l'œuvre de Dieu comme il se doit. Vous pensez d'abord à vous, à vos ventres, et vos désirs sont au-delà de vos besoins. C'est au-delà de ce dont vous avez besoin. Voilà pourquoi vous n'êtes jamais prêt pour servir le Seigneur. Dieu a placé le centre missionnaire dans une position de limité, je vous l'ai dit. Il y a limité, na katnete le melimoko. À une position qui consiste à assister des multitudes d'hommes dans ce pays, en Afrique et même dans le monde. Na katnete le meli, oyo konsali sabato, katikati na mboka oyo, kat ata katira mukili. Mais on a de la peine à le faire. Kasi tozala ka mukosala mona plasi. On ne savait pas agir comme les Macédoniens. Kwete boyebi konsala tele kola batu na Makedonia. Si vous aviez cela à cœur comme les Macédoniens, les choses seraient bien différentes. N'empêche qu'une bonne chose a été faite. N'empêche que vous êtes digne d'être loué malgré tout. Il n'y a pas que des mauvaises. Il y a aussi de bonnes. Alléluia. Amen. Vous savez quand on vous dit toujours les bonnes choses, vous faites. Mais il faut de temps en temps qu'on vous montre aussi ce que vous faites mal. Pour que vous redeveniez un peu humble. On vous prêche la grâce de Christ à Golgotha. Vous sentez tellement heureux que le lendemain on vous gratte un peu pour ce qui dépasse. Vous revenez à des sentiments humbles, tout en gardant les regards fixés à Golgotha. Alors vous relevez quand même la tête. Vous dites, j'y arriverai quand même. Si les Macédoniens l'ont fait, nous le ferons. Et même si tous les autres ne le font pas, moi je le ferai. Je commence. Alléluia. Amen. C'est un désir individuel. C'est une décision personnelle. Dans ce chemin, tu es seul. À gauche, personne. À droite, personne. Devant toi, il n'y a que des pas. Tu traînes. La brousse se referme. C'est un chemin épineux. Étroit et resserré. Mais il conduit à la vie. Alors je vous remerciais. Parce que vous avez consolé la famille Oudadia. J'en vois ici qui ont passé toute la nuit là-bas. Depuis hier, ils étaient là, ils ont passé la nuit là-bas. Moi, j'étais rentré dormir. Mais ils sont restés là-bas, ils ont dormi. Le matin, ils ont été jusqu'à l'enterrement. Et les voilà, ils sont encore là pour écouter là-bas. Ah, mais ils sont dignes d'être loués. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Ah mais les sœurs, elles ont beaucoup plus de cœur que nous, il semblerait. Eh ben de quoi c'est madame. Elles ont plus de cœur que nous, il paraît. Mais elles ont plus de compassion que nous. Madame Maromingi Koleka Bisso Mibai. Il semblerait. Bango Balobaka Bongo. Elles venaient pour écouter la parole. Elles apprennent que le fils d'Oudiadia est mort. Elles ont abandonné Batiki le chemin de la parole. Elles sont allées pour voir celle qui était affligée. Vous appelez ça avoir plus de compassion que nous les hommes? Non, moi j'appelle ça avoir un peu moins de discernement que nous. Venez d'abord écouter la parole. Soyez remplis de la parole d'abord. Ensuite vous irez consoler. Comme consolent les chrétiens. Mais vous allez écouter la parole. Voilà, frère, vous avez déjà compris. Nous n'avons pas d'amour pour Saint Odette. Et frère Oudiadia. Et les bons se vident parce qu'on doit aller consoler Oudiadia. La parole passe avant tout. Lui-même Oudiadia vous a donné l'exemple. Il est au bureau. On vient lui annoncer que son frère est mort. Il s'arrête un instant. Il dit bon, ça va, je viendrai. Il monte en chaîne. Il prêche. Il termine. Il va au Matanga. Et c'est quelqu'un d'autre qui vous annonce que son frère est mort. Vous croyez que nous n'avons pas d'amour? Quand nous venons d'abord prêcher, et ensuite nous allons là-bas, nous sommes pleins d'amour. Alléluia! Amen. Si on pouvait ouvrir les cœurs, peut-être que nous en avons un peu plus que vous. Non, mais je crois que vous en avez beaucoup. Mais c'est une question de discernement. Regardez! Ceux qui ont appris en retard, parce que hier ils étaient sortis trop tôt, parce que hier ils étaient absents, ils ont appris que le fils d'Oudiadia est mort. Regardez, ils sont partis. Mais ils pourraient y aller même le soir. La maison ne déménagera pas. Oudiadia ne déménagera pas. Il est encore là. Allez d'abord écouter la parole. Seigneur, mon père est mort. Je vais l'enterrer. Le Seigneur lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi viens et suis-moi. D'abord la parole. Et le reste vient ensuite. Mais quand vous vous donnez à nous, c'est une très bonne chose. Nous savons que nous avons des frères. Ça console. Alléluia. Amen. Mais alors il faut le faire avec tout le monde de la même manière. Il ne faut pas le faire parce que c'est un prédicateur. Il faut le faire avec tous. De la même manière. Dieu n'aime pas l'acception. Oudiadia est un fils de Dieu. Autant que celui-là est un fils de Dieu. Il est sauvé comme celui-là est sauvé. Il est rempli de l'esprit comme celui-là est rempli de l'esprit. La différence, c'est que Dieu l'a établi prédicateur et ancien. Mais au service de qui? Mais à votre service. Pour la conseil, la bino. Alléluia. Amen. Alors, vous rendez honneur aux domestiques. Bon, qu'on pense à l'occupe, on a pas domestique. Mais à vos égaux, vous ne le faites pas. Quand il y a pas d'économie, on s'en a qu'à monter. Faut que ça change. C'était bon, voilà. Ah, mais les Africains vont toujours trop loin. Oh, bah, ton Afrique, va qu'il y a un peu de temps. Frère, à la veillée mortuaire, je ne t'ai pas vu. Et si je n'y étais pas? Bon, vous savez que je n'ai pas vu. Où est le problème? Dis quand vous allez voir.
Oh frère, il n'y a pas d'amour, frère. Non, l'amour croit la vérité. Venir à ta veille, mon Dieu, c'est pas l'amour. Frère, vous ne visitez pas les frères. Ça, c'est dans les dénominations. Où les pasteurs ont des ventres pastorales. C'est-à-dire des ventres qui sont capables d'aller manger de maison en maison. Nous n'avons pas de ventres pastoraux. Mais nous avons des bouches pastorales. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais tu le sais, Seigneur. Paie mes brebis. Je viendrai chez vous. Selon que l'Écriture dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est malade? Mais qu'il fasse venir les anciens. Que ceux-ci prient pour lui. En l'oignant d'huile. Et la prière de la foi guérira le malade. Frère, nous t'attendons chez nous à 19h. D'abord, je ne sors pas le soir. Pourquoi? Je ne sors pas le soir. Ah, comme tu ne sors pas le soir, tu es confirmé à 15h. Pourquoi? C'est pour un dîner, frère. Il dit, frère, j'ai déjà mangé à la maison. Non, frère, c'est pour que... Si tu as un problème, oui. Mais tu m'invites simplement pour que je vois tes poussins. Et que je m'assoie dans tes fauteuils. Je n'ai rien contre ça. Mais Pierre a dit, quand il y avait beaucoup de problèmes dans l'église, il dit, établissez des diacres parmi vous. Qui s'occupent de la distribution. Pour que nous, acte 6, nous nous occupons à la prière et au ministère de la parole. Vous comprenez? On s'en sort. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir chez vous. Non, Dieu peut me conduire un jour à me lever et aller voir tel. Deux jours après, c'est surtout les sœurs. Ah, frère, frère. Ah, t'es confirmé. Vous savez pas la sœur Nagne, qui était. Bon, et pas la plus haute, vous savez qu'il y a 500 mètres au comité. Nous sommes seulement à 500 mètres. Mais à 500 mètres de toi, il y en a encore un autre. Mais dans mètre, il y a quand même mitaine. Et à 500, il y en a encore un autre. Mais dans mon sous-sol. Et à 500, il y en a encore un autre. Mais dans mon sous-sol. Fais faire le tour du quartier. Bon, on a comme le quartier, mon bimba. Si Dieu m'a conduit là-bas. Sauf qu'il n'a pas caminé avec lui. Qui sait? S'il y avait un problème qui devait être réglé là, et Dieu qui connaissait tout, il dit, écoute, Firmin, toi tu n'aimes pas te promener, lève-toi, va quand même. Et ton cœur a brûlé, tu dis, je vais voir soeur tel, je vais voir frère tel, tu entres, et dis, frère, c'est Dieu qui t'a conduit. Voilà le problème que nous avons. Donc, il est grand temps que tout esprit africain nous quitte. Vous savez qu'il y a des gens qui nous ont quittés parce qu'on ne les a jamais visités. C'est triste. Mais il a trouvé un bon restaurant. Son restaurant là, c'est une mutuelle kassayenne. La communauté du Kassai à Kinshasa. Mais ils appellent ça assemblée. Ils devraient appeler ça communauté du Kassai à Kinshasa. Tu n'es pas allé les visiter dehors. Ils s'en vont. Communauté du Bandundu au centre missionnaire de l'Unité. Ces choses doivent cesser. Nous
sommes d'en haut. D'ailleurs, mon nom qui est dans le livre de vie de l'agneau, je suis presque certain que ce n'est pas Firmin Badibanga. Dieu connaît ce nom-là. Je ne sais pas quel est ce nom. Mais alors si c'était Firmin Badibanga, bon, il faudrait qu'on mette tout. Tous mes prénoms, mon nom, hyperkilométrique. Et quand mon bout est venu avec un nom de 1 km, il y a des chrétiens qui ont eu un nom de 2 km. Vous croyez que tous les 2 km sont dans le livre de vie de l'agneau? Devenez chrétien, c'est-à-dire faites une expérience avec Christ. Rencontrez-le. Amen. Amen. Qu'il change vos vies. On te donne du pain sec. Tu dis merci Seigneur. Directement tu vois la Somalie. Tu vois l'Égypte. Tu vois Kaboul. Là où il n'y a même pas de pain sec. Tu dis merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Une pluie abondante vient. Elle emporte une partie de tes biens. Dis, Seigneur, que ton nom soit loué. Tu regardes l'Éthiopie. Où des troupeaux meurent de soif. Tu dis Dieu est bon. Amen. En toutes circonstances, nous louons le Seigneur. Amen. En toutes circonstances, notre joie doit être débordante. Amen. Je me souviens d'une sœur qui disait, si je pouvais être comme ses frères, il sourit tout le temps. Comment voulez-vous qu'on fasse autre chose? Dieu est avec nous. Quand les légers moments de tristesse viennent, parce qu'ils viennent. Même Jésus, quand il a vu la tombe de Lazare, il a pleuré. On a dit, vous croyez qu'il a pleuré? On a dit, non, c'est l'émission moyenne. Pourquoi tu nous as fait ainsi? Il parle au monde. Allô, Bélimo, oui. Il parle au monde. Balo, Bélakamo, Baoui. Bazali, Kolobana, Baoui. Même dans leurs pleurs. Atana Kati, na Kolila, na Bango. On s'est l'émission moyenne, on a dit. Pourquoi tu nous as fait comme ça? Tu n'as même averti que tu allais partir. Qu'est-ce que c'est pour des histoires? Que la tristesse ne vous pousse pas à dire n'importe quoi. Nous sommes des chrétiens. Pleurer. Ça fait partie de notre vie. C'est ça que Dieu nous a donné des larmes. David a dit mes larmes. David a été pisolé dans Gaï. Ils sont devenus ma nourriture. Paul dit dans les Corinthiens, si la résurrection des morts n'existait pas, nous serions les hommes les plus malheureux de la vie. Si on commence à prendre les malheurs de cette sœur, de ce frère, de cette sœur, de l'autre, et qu'on met... Mais vous allez tous commencer à pleurer. Alors Dieu dit, pour qu'un homme soit ancien, il faut qu'il ait une expérience. Pour que quand les gens viennent avec les problèmes, abattus, pleurant, lui il reste debout. Il prend le fardeau. Il redresse.
Asemboami. Il redresse celui qui était abattu. Asemboli alima oyo alemba kinzo. Il exhorte. Alendisie. L'autre part avec la joie. Monsieur Swakeli de Sengo. Lui dans son cœur il commence. Yena motema na bandi. Quelle souffrance cette personne voit. Oh, pas si mouline boni mouto. Alors qu'il commence à prier pour lui-même. Na bandi kombo de la problème. Seigneur, ôte-moi ça de l'esprit. Kolo longola ye kambo kat na mouline na. Mais sinon lui-même sera tout le temps abattu. Voilà pourquoi nous prêchons. De manière à ce que vous partiez toujours avec la paix de Dieu. Comme ça, plus. Vous avez une communion avec Dieu. Ouais. Nous avons des problèmes à trancher. Parce que l'homme lui-même est venu abattu. Et à la fin de la réunion, je vais prendre rendez-vous avec frère Firmin. À la fin, ça va, frère? Très bien. Que Dieu te bénisse. Dieu a répondu. Dieu est plus grand que nous. Vous nous confiez vos problèmes. Mais dites-le à Dieu. Et voyez comment il va répondre par la prédication. Dieu entend. Dans Esaïe, nous avons entendu. Dieu a exaucé ma prière. Et mes souffrances sont devenues mon salut. Dieu a jeté derrière moi pour mes péchés. Et où sont-ils tombés? Dans la mer de l'oubli. Ça c'est Michel 7. Une mer. Que quand quelque chose tombe dedans, ça disparaît. Bien aimé, nous ne sommes pas innocents. Nous ne sommes pas non coupables. Non, la justification veut dire vous n'avez jamais péché. Non, vous êtes comme ok. Alléluia. Amen. Nous connaissons le coupable. Toyebi Mokwei. C'est le diable. Adeli Diabolo. Lucifer. Voilà pourquoi nous voulons combattre. Et le meilleur moyen de l'abattre. C'est le malam ya. C'est de demeurer ferme. Et à côté les mangui. L'amour que Dieu a eu pour vous. Bolingo yo nzambe alingaki nangobino. C'est qu'il vous a choisi. Adeli tapona kibino. Ce n'est pas que parce que Dieu m'a aimé, je n'aurai pas de problème. Non. La preuve que Dieu t'a aimé, c'est qu'il t'a choisi. Amen. Alors Jésus a dit, Père, Tata, garde-les dans le monde. Amen. Il n'a pas dit, sors-les du monde. Amen. Non, garde-les. Amen. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ont pris mes paroles. Alors, Père Saint, quand j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. Ton nom que tu m'as donné. Et maintenant que je pars, garde-les. Dans quel nom? Dans quel nom? Dans le nom de Jésus. William Branham est revenu. William Branham Ayaki pour ramener le nom de Jésus. Pour le cousin qui s'accompagne à Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le diable le connaît. Diable. Il y a des noms que le diable n'aime pas entendre. Jésus. Jésus. Il n'aime pas entendre. Golgotha. Golgotha. Il n'aime pas entendre. La résurrection. Il n'aime pas entendre. Parce que dans ces trois choses, nous avons la victoire. Alors nous voulons vous faire comprendre que c'est par la foi dans le nom de Jésus que ce nom a rendu cet homme tel que vous le voyez. Voilà pourquoi lorsque les
les dénominationnels, tango batula mangomba, où qu'ils soient, ils prennent le nom de Jésus et qu'ils croient, parce que c'est la puissance dans le nom. Alléluia. Amen. Oh, mais ce nom-là, oh, kasi kombo wana, il est à nous. Il a choisi du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Nous sommes une famille. Et cette famille-là s'appelle la famille Jésus. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des Branham. Nous sommes des fils. Voyez-vous cela? Dieu veut qu'on comprenne ces choses. La restauration est là sous nos yeux. La parole est revenue. Quand elle commence de Genèse à l'Apocalypse, tout le plan de Dieu déposé sous vos yeux. Pour que vous réalisez la position qui est la vôtre. Et que vous appreniez à être des fils obéissants. Quand l'écriture dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tricheras pas, tu ne mentiras pas. Mais c'est vrai, tu ne dois pas faire ça. C'est la vie du monde qui le fait. Par notre vieille naissance, nous avons fait ça. On a tellement vécu dans cette pratique qu'étant né de nouveau maintenant, l'âme est transformée. Bien aimé, laissez-moi vous dire la vérité. Quiconque croit que Jésus-Christ et de Jésus Christ est le Jéhovah de l'Ancien Testament, et que ce Jésus est mort pour lui, pour ses péchés, il a la vie éternelle. C'est-à-dire, son âme est transformée. Son âme maintenant aime Dieu. Mais maintenant, voici le problème. Il y a l'âme. Il y a l'esprit et il y a le corps. Par la nouvelle naissance, il est entré dans le royaume. Amen. Amen. Il est justifié. Allons. Mais maintenant, il faut que son esprit soit renouvelé. Alors, il faut la proclamation de la parole. Il faut que la parole soit tellement puissante pour que tous les canaux qui mènent de l'âme à l'esprit, qui étaient bouchés par les choses du monde, il faut que la révélation soit tellement puissante que ce soit une explosion. Explosion dans l'âme qui débouche tous les canaux. Amen. Alors l'esprit est transformé. Alléluia. Amen. Alors même dans son esprit, l'homme maintenant veut servir Dieu. Et le combat, c'est la chair. Et oh, cette chair, oh, on ne sait pas la changer. Elle ne peut être transformée qu'au jour de la résurrection. Alors pour nous donner cette assurance, Jésus meurt. Yes, le troisième jour, il ressuscite. Il dit à Jean, j'étais mort et je suis vivant. Ça veut dire que la mort n'a pas de puissance. Et que la puissance de résurrection, je l'ai. Et je la vous donne par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est la puissance de la résurrection. Alors par l'Esprit, nous apprenons à soumettre l'homme extérieur. Il veut aller là. Il dit non.
oui. Le combat commence. Et tombe bandi. Pourquoi? Pour parce que Dieu a dit. La et c'est un combat. Et qui va remporter? Nana Kolonga. Celui qui mange le plus. Oh, il y a mingi. Alors qui mange plus? Oui, nana dali kolia kolek. Ton âme et limunayo ou ton corps? Ton jo tonayo. Si c'est ton âme, ce qui est dali limunayo, on verra le changement. Donc comment la kobongola? Si c'est ton corps, on verra que tu demeures le même. Tu écoutes la parole, abattu. Tu pleures, tu regrettes, tu es sincère. Tu dis, mes frères, venez-moi en aide. Quand tu sors, tu recommences. Tu nourris plus la chair. Ah, ça, c'est le propre des appelés. Ezali lolenge ba bianga mi bazalaka. Mais l'élu, kasi mo ponami, il nourrit plus son âme. Allez sakeli mo na mingi koleka. L'élu se réveille le matin. Mo prami ala mukaka na tombe. Le psalmiste se dit, mo yembi akoloba. La nuit, na butu, mon âme te cherche. Eli mo nanga ezali koluka yo. La nuit. Na butu. Mon âme te cherche. Eli mo nanga ezali koluka yo. Il dit, je devance l'aurore. Abi na ezali kola mukali bo sote mo yebima. Et je t'adresse mes prières. Mon cœur m'exhorte au-dedans de moi. Cherche le Seigneur. Alors il est assis. Il ne se rend pas compte. La victoire. Silence, Dieu. Excusez-moi. Son âme cherche. Alléluia. Amen. Il s'entretient. Amen. Par des hymnes. Des cantiques spirituels. Banzembo. Il veut demeurer dans la présence Banzembo de Dieu. Mais l'autre, qui n'est pas encore là, son âme veut se nourrir de n'importe quoi. N'importe quoi. Son âme se nourrit de tout. Il entend. Boum! Oh, c'est quoi? On a tamponné quelqu'un. Nicolas, mon histoire, son volant. C'est juste, tu as vu cette soeur-là. Voilà de quoi il se nourrit. Il aime le mensonge. Il pratique le mensonge. Comment voulez-vous qu'il avance? Vous croyez que quand nous nous tenons ici, c'est parce que nous sommes fiers et que nous nous tenons là, on s'est examiné de la tête aux pieds et on n'a rien vu. Non. Et nous nous tenons ici parce qu'il y a le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen. Et que nous avons entendu Alléluia. Que c'est par tes bontés que je subsiste. Alléluia. Et que ta grâce se renouvelle chaque matin. Et que ta grâce atteint jusqu'au nul. Et ta fidélité jusqu'aux cieux. Je vais vous dire une chose étrange. Dieu a appelé Samson. Samson, plein parmi les Philistins, vient de faire une chose qu'il ne devait pas faire. Dans les bras d'une prostituée. Les Philistins veulent tomber sur lui. Dieu dit un instant. Ma fidélité atteint jusqu'aux cieux. Samson, je toins de mon esprit. Détruis les Philistins. Sors. Quand Samson sort, après avoir détruit les Philistins, c'est un problème entre Dieu et Samson. Qu'est-ce que tu avais été faire là-bas? Un jour tu vas payer. Par la verge des hommes. Samson rentre. Samson a zongi. Cette fois-ci, Dieu dit, je te livre. Mais tu ne vas pas mourir. Parce que vous fatigué. D'où est ta force? Elle est dans mes cheveux. On coupe les cheveux de Samson. On dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi. Puis... un enfant commence à le traiter.
comprend, première chose, le kwaliboso, on trouve les yeux. Vous voyez ce que l'ennemi fait dans la dénomination. Vous qui avez la parole et qui refusez d'y obéir et d'y marcher, première chose, il va vous crever les yeux. Vous ne saurez plus faire la différence entre la vérité et tout ce qui se raconte partout. Aveugle. Ah, ils ont été toujours là. Mais, Kasi, la grâce de Dieu n'avait pas abandonné. Il avait dit, je ne l'abandonnerai point. Croyez-vous cela? Bon, dis-moi, Yango. Ma fidélité sera avec lui. Et les jours ont passé. Et Dieu était avec Samson. On se moquait de lui. L'humiliation était grande. Et je me souviens de l'écriture de David. Avant que je sois humilié, je m'égarais. Parfois l'humiliation est bonne. Pour qu'on apprenne à ne plus s'égarer. Est-ce que vous comprenez? Ah, il m'a repris devant tout le monde. C'était honteux. Mais c'était pour t'apprendre à ne plus s'égarer. Comme à un moment donné, j'avais vu les sœurs de l'assemblée qui tous commençaient à devenir des métis. Tous commençaient à éclaircir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que moi qui ne claircis pas. Et quelques frères avec moi. Arrêtez ces choses. Soyez satisfaits de ce que Dieu vous a donné. Pourquoi voulez-vous plaire au monde? Pourquoi voulez-vous imiter le monde? Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit cela? Et Samson était là. Et Samson était là, tu vois là. Oui, un jour il passe sa main. Les cheveux avaient repoussé un peu. Les gens s'imaginaient qu'il fallait que les cheveux soient là. Qu'un homme de foi, vous devez le voir qui marche. Et c'est mon tour à Il voit là-bas un groupe de Kadogo. Il dit Dieu est avec nous. Ça, c'est quelle foi. On m'a dit que sur ce chemin, il y a des bandits. Parce que j'ai la foi, je vais prendre ce chemin. Soyez doux et prudents comme des serpents. Doux comme des colons. Prudents comme des serpents. Là-bas, on agresse. Ah, mais j'apprends ce chemin. Mais à ma surprise, les voilà là. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Je vois un serpent dans son nid. Au lieu de le tuer avec une pierre, on le mordra, il le fera. On va t'amener à l'hôpital, on va donner des piqûres. Wow. Dieu dans son amour permettra que tu ne meurs pas. Mais tu vas commencer. Hein? Je vais vous dire parce que c'est un accident. Fausse foi. Je vois un serpent ici. Je passe là. Je prends une pierre, un bâton, je le tue de loin. Mais j'étais déjà dans mon lit. Et le voilà qui me mord. Je regarde. Nathalie. Ah. Marc 16. On les mordra par les serpents. Il leur sera fait aucun mal. J'ai même pas de commencer à prier. Seigneur, j'ai été mordu. Quand le venin du serpent sort. Non. Il a dit. Assis à l'hôpital.
Les serpents les mordront. Il ne leur sera fait aucun mal. Mais croyez comme c'est écrit. Il n'a pas dit. Les serpents les mordront. Ils prieront. Les serpents les mordront. Il ne leur sera fait aucun mal. Paul ne savait pas. Paul a ramassé les favoris. Alors, quand tu vas prendre. Et le voilà qui parle. Et à l'intérieur, il y avait une vipère. Il est mort. Astuillé. Et il a secoué la vipère au-dessus du feu. Na moto. Et il a continué son chemin. Ils ont dit, cet homme est un meurtrier. Il a échappé à Rome. Il a échappé dans son pays. La tempête l'a suivi. Il a échappé à la tempête. La vipère l'a attrapé. Il doit mourir. Paul. Il met les bâtons. Il allume le feu. Il fait ce qu'il avait fait. Une heure. Deux heures. Trois heures. Quatre heures. Les villageois regardent. Et cet homme est un dieu. Qu'est-ce? Marc 16. Malakozomi na motoba. Que Dieu est avec nous. Alléluia. Nous voulons croire comme le disent les Écritures. Quand vous verrez le figuier reverdi, il a reverdi. Israël est dans sa parole. Et les autres arbres reverdis. Sachez que l'été approche. Les temps seront difficiles. Ce seront les derniers jours. Guerre, bruit de guerre. Ce n'est que le commencement de douleur. Les nations contre Israël. C'est un signe. Chaque bombe qui explose en Israël me rapproche du retour de Jésus. Croyez-vous cela? Aussi vrai qu'Israël est dans son pays. Au moment où nous parlons, l'église épouse est dans son pays. Où? Dans la parole de la promesse. Ils attendent la restauration. Alléluia. Amen. Ils croient aux dons. Il croit au miracle. Il croit au prodige. Mais encore plus, les choses qu'on les cas. Il croit à la puissance de Dieu. Oh, la prédication de la croix est la puissance de Dieu. Pour quiconque croit, Dieu cherche une épouse. Pour son fils. Des hommes capables de dire oui à toute la parole et de dire non et un non sûr à tout ce qui n'est pas la parole. Pas de compromis. Non, terminé. Le temps de discussion fini. Le temps d'argumenter est terminé. Maintenant, c'est le temps d'agir. Dans l'église épouse, parmi les élus, la parole, la foi et les œuvres vont ensemble. Un élu ne marche pas battu. Un élu marche fort. Pas fort de lui-même, mais la force qui vient de Dieu. Laquelle? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oh, trois fois j'ai prié. Pour qu'il me délivre de cette maladie. Mais trois fois il m'a dit, ma grâce te suffit. Croyez-vous que sa grâce nous suffit?
Et encore plus. Sa fidélité est avec nous. Alléluia. Amen. Alors les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Non, pas des hommes qui défient. C'est le démon français. Soi-disant. Aller chercher Dingo pour ça. Non, les cheveux étaient encore courts. Et Samson fait une prière. Seigneur, encore une fois. Une fois seulement que je tire vengeance des Philistins pour mes yeux et pour tout ce qu'ils m'ont fait. Il a dit au jeune homme, amène-moi vers les deux colonnes. Amen. Du temple. Il y a tempelo. Et eux, ils riaient de Samson. Mais les cheveux avaient déjà poussé. Souvenez-vous que les disciples avaient demandé à Jésus, maître, combien de fois dois-je pardonner mon frère pendant le jour? Le Seigneur dit 40 fois 7 fois. 470 fois. Mais c'est nombreux. C'est limingi. Il n'y a que quelques heures. Kakandam. Où nous sommes éveillés. En moyenne 12 heures. Fois 6, ça fait 720. 7200 minutes. Donc pendant 7200 minutes, cet homme saute 470 fois. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en 1200 minutes, il a eu le temps de fauter par minute 3 fois. Alors, bon, pardonnez. Continue. Comment? Pardonnez. Alimbi Sami. Continue 3 fois. Pardonnez. Alimbi Sami. Continue. Pardonnez. Alimbi Sami. Ah! 40 fois 7 fois. Est-ce possible à l'homme? Mais c'est possible à Dieu. Voilà pourquoi il nous donne sa nature. Voilà pourquoi il nous donne sa nature. Alors quand les disciples ont entendu 40 fois 7 fois, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous voyez que le pardon va avec la foi. Avez-vous entendu? Ça va ensemble. Ne sait pas pardonner. Mais il n'a pas de foi. Parce que s'il a été pardonné, c'est qu'il a eu la foi pour accepter le pardon. Alors, ayant la foi, il réalise que ce que Dieu a fait pour lui, il peut le faire pour l'autre. Alors il pardonne. Mais celui qui n'a pas la foi ne sait pas pardonner. Et la foi est agissante par l'amour. Avons-nous bien saisi? Alors, Samson était là. Oui, Samson les cheveux avaient seulement poussé un peu. Et on l'a mis là au milieu. Et il a dit, Seigneur, encore une fois. Le Seigneur lui a dit, malgré tes fautes, malgré tes manquements, Samson, Samasoni, je suis encore avec toi. Détruis-les. Avez-vous entendu? Et Samson a poussé les deux colonnes. Et le jour de sa mort, il a tué plus de Philistins que pendant toute sa vie. Je voulais montrer que la fidélité de Dieu est là. La fidélité est là. Bojali. Tu tombes. Tu es passé. Pardon, Seigneur. Aie pitié de moi. Relève-moi. Il te relève. Je suis avec toi. Amen.
Il n'a jamais abandonné ses hommes. Le Seigneur abandonne celui qui abandonne la parole. Oh, celui qui abandonne la parole a lui-même abandonné Dieu. Alors Dieu l'a abandonné. Mais si tu n'abandonnes pas la parole, Dieu est avec toi. La fidélité de Dieu demeure. Et alors il dit une parole merveilleuse. S'ils sont infidèles, lui il demeure fidèle. Et Dieu a ses paroles qui lui servent de sceau. Un sceau. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu lui appartiens? Est-ce que tu lui appartiens? Il te connaît. Ne doute pas. C'est oui et amen. En Jésus, ça a été oui. Et Christ est mort. Christ a tout fait. Nous avons paru. Et on nous sait amen. Amen. Sa grâce et sa fidélité. Psaume 89. Nous terminons. Psaume 89. Il parle du Fils. Verset 28. Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Le plus élevé des rois de la terre. Je conserverai toute ma grâce. Et mon alliance lui sera fidèle. Avez-vous entendu cela? Je rendrai sa postérité éternelle. Alléluia! Amen. Sa postérité. Amen. Me voici moi. Amen. Et les fils que Dieu m'a donné. Celui qui sanctifie. Amen. Et ceux qui sont sanctifiés. Amen. Sont issus d'un seul. Amen. Alors sa postérité. Amen. Elle est éternelle. Bien aimé. Balingami. Nous sommes éternels. Amen. Nous sommes éternels. Cela veut dire. Amen. Nous ne mourrons jamais. Et même si nous mourons, nous ressusciterons. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Dieu l'a dit. Et Paul dit aux Romains, afin que tu sois reconnu comme vrai. Est-ce que vous avez entendu ça? Continuons. Si ce fils abandonne ma loi et ne marche pas selon mes ordonnances, s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais, alors qu'il mérite la mort. Il mérite au pluriel la mort. Mais je ne lui retirerai point ma grâce. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance. Et je ne changerai pas. Jésus ressuscita. Alors les grâces. Assuré, promis à David, sont devenus réalité. Maintenant, la fidélité est avec nous. La grâce nous accompagne. Croyez-vous cela? Le croyez-vous? Jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Levons-nous. Tôtez les mains. Dieu nous aime. Zambalinga kabiso. Voyez-vous cela? Dieu t'a aimé. Zambalinga ki. Toi. Yo. Toi. Yo. Grâce. Nous accompagne. Voyez-vous cela? Le croyez-vous? Jusqu'à
jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Levons-nous. Totelema. Dieu nous aime. Zambalinga kabiso. Voyez-vous cela? Dieu t'a aimé. Zambalinga kyo. Toi. Yo. Toi. Yo. Pas nous, toi. Yo. Personnel. Yo moko. Entendu ton nom. Oh, qui comprend yo? Entendu Jésus qui t'appelle. Oh, qui est-ce que bien gayo? Et qui t'a dit viens à moi. Tel que tu es. Tel que tu es. Dengue aux alliés. Alléluia. Amen. Oh, quelle envie de continuer. L'amour de Dieu. Oui, mon Zambé. Surpasse toute connaissance. Et d'aller connaître comme vous. Oui, ma vie, vous l'avez vu comme ça. Oui, il y a un ma soeur, ne doute pas un seul instant. Dieu a parlé une fois. Il ne parlera pas une deuxième. Il t'a appelé. Il t'a aimé. Sa grâce est avec toi. Sa fidélité t'accompagne. Ne doute pas. Il est là. Si tu as des fardeaux, si tu as des fardeaux, dépose-les. Si tu as des péchés, mets-les dans le sang de l'agneau. Si tu as des besoins, viens à la table du Seigneur. Demande, tu recevras. Tout change dans ta vie. Ne ressens pas comme tu étais entré. Sois sûr que tu as obtenu. Et tu obtiendras. Merci.
Bien-aimé Père Céleste, Molingami Tatana Likolo, c'est de tout notre cœur que nous te disons merci ce soir. Nous croyons être ton peuple. Nous sommes très privilégiés, Seigneur. Dans ce temps de grande confusion, tu manifestes ton amour d'une manière particulière. Nous révélons davantage ton propre fils. Oh Dieu. C'est vrai. Yasolo. Nous sommes assurés ce soir. Nous sommes pleins d'assurance. Puisque nous croyons que c'est maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous croyons que bientôt, quand toi tu paraîtras, tel que tu seras, ainsi nous serons aussi. Oh Dieu. Oh Nzambe. Merci. Matoni. Pour Jésus-Christ crucifié. Ce don que tu as donné à l'humanité entière. Merci Seigneur. Matoni Kolo. Pour une si parole si puissante. Qui a saisi nos cœurs. Qui a saisi nos âmes. Qui a saisi tout notre être. Et qui nous a amené dans les sommités célestes en Christ. Oh Père. Oh Tata. C'est maintenant que nous ressentons. Que réellement nous ne sommes pas de ce monde. Nous voulons partir chez nous. Puisque tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça va disparaître bientôt. Et nous resterons pour toujours avec toi. Merci pour ces grâces merveilleuses. Ces grâces promises. Ces grâces assurées. Qui nous rassurent. Appartenons pour l'éternité. Puisque toi tu nous as choisi. Toi tu nous as appelés. Toi tu nous as prédestinés. Pour que nous arrivions à être semblables à l'image de ton fils. Et nous croyons que nous arriverons. Puisque c'est toi qui l'as promis. Et tu nous as mis sur ce chemin rapide. Oh Dieu bien-aimé. Oui, suis maintenant Seigneur. Alors que nous allons partir, nous fortifier à tous égards dans la foi, afin que nous triomphons sur le monde, que nous triomphons sur le péché, puisque toi tu as dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Oui Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, donne-nous à la méditer jour et nuit, afin de soupirer et de gémir à l'attente de ces jours. Oh, béni chaque frère. Béni chaque sœur. Même les enfants qui nous ont accompagnés. Bénis le Seigneur. Bénis ton serviteur. Par qui tu nous as parlé. C'est aussi un homme. Il a besoin de ton secours. Bénis, oh Dieu, tous tes serviteurs que tu as placés ici. Bénis l'œuvre de Dieu. Partout dans le monde. Et bénis tes serviteurs. Oh Seigneur. Oh, Kolo. Nous partirons maintenant. Nous croyons comme l'écriture le dit. Que toi, et tu es celui qui dirige nos pas. Nous sommes venus. Nous partons pleins de joie. Comme les disciples qui venaient de Maüs. Tu disais, mon cœur, ne brille-t-il pas de joie? Nous aussi, Seigneur, nous voulons par ta puissance conserver cette joie au-dedans de nous. Jusqu'à ce que nous reviendrons encore une autre fois ici.
croyons que tu nous as guéris. Puisque toi tu as dit, je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a guéris. Merci pour toutes ces choses. Que la gloire, que l'honneur, que la louange, que la dignité, que l'hommage, que toutes choses, Seigneur, reviennent dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, son Fils. Pour sa gloire. Amen.